à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit aller vous faire un petit update plantes. Et sachant que j'ai reçu des nouvelles plantes, donc je me suis dit on allait faire un update, un unboxing, du rempotage. Enfin bref, aujourd'hui, on aura les mains dans la gadoue. Voilà, il y a à peu près un an, je vous faisais ma première vidéo plantes, il me semble, où j'avais reçu mes premières plantes de Online Baby Plantes. Et entre temps, il s'est passé des choses, voilà, ma forêt s'est agrandie. Pour l'hiver, j'ai créé une petite serre juste ici, justement pour que mes plantes qui avaient du mal puissent reprendre. Et franchement, ça a été un succès de fou. Donc merci Brunaëlle, c'est grâce à toi, tu m'as donné l'idée, je l'ai fait. Et franchement, voilà, c'est dit, c'est fait. Attends, je vous redresse un peu parce que vous êtes un peu penché là, ça me dérange. Aujourd'hui, unboxing, j'ai commandé des nouvelles plantes sur Online Baby Plantes. C'est surtout des plantes que j'avais qui sont mortes dues à l'hiver. Donc voilà, il y a quelques-unes que j'ai pas réussi. Il y en a qui sont dans la serre et qui, je pense, vont pas tarder à reprendre. Je vais vous montrer tout ça, tout ça, tout ça. Et voilà, c'est parti, let's go, petite vidéo plante, j'adore ce style de vidéo, franchement j'adore les vidéos plantes. Donc j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, tout ce que vous voulez. Si jamais vous voulez plus de vidéos plantes, dites-moi ça dans les commentaires, parce que c'est vrai que je m'occupe souvent de mes plantes. Je mets pas mal de choses sur Instagram, où je vous montre aussi dans mes vlogs, comment je m'en occupe, etc. Mais si vous voulez des vidéos que dédiées aux plantes, n'hésitez pas à me le dire, et c'est avec plaisir les gars. Donc direction les commentaires, et dites-moi ça. Bon, c'est parti parce que là, j'ai vraiment hâte. Je vous montre le carton. Donc déjà, c'est plus Online Baby Plantes, c'est plantes. C'est parti, les amis. C'est arrivé dans un petit carton comme ça. Alors, j'ai pris que des bébés plantes. J'en ai pris 5, il me semble. Je vais vous les présenter. On va les rempoter ensemble. Et franchement, ça a changé de nom. Avant, c'était Online Baby Plantes. Maintenant, c'est juste plantes. Enfin, voilà. C'est parti. Bon, je vais vous montrer les plantes que j'ai prises. Déjà, il faut savoir que j'ai hésité. Je voulais prendre une chaîne de cœur, mais je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne savais pas. Donc, ça, je ne l'ai pas prise. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir une chaîne de cœur. Et pourquoi je ne l'ai pas prise, je ne sais pas. Mais je ne l'ai pas prise. Mais j'ai quand même pris des petites choses très très cool, dont deux plantes que je voulais depuis super longtemps, deux que j'avais déjà et une que je n'avais pas. Alors déjà quand vous ouvrez, il y a le petit fascicule là, vous savez. Et ensuite, comment rempoter les baby plantes et comment rempoter les plantes basiques. Ah, ils mettaient pas ça avant. On a des petits bâtons et dessus, vous pouvez écrire c'est quoi le nom de la plante. Oh, j'adore. Ah, c'est trop bien. Alors ça, c'est vraiment une bonne idée. Parce que pour les têtes de mioche comme moi qui ne se souviennent pas du nom de la plante, je trouve ça génial. Alors, ça arrive comme ça. J'ai l'impression que mon pythonia est un peu rabougri. Je vais vite le sortir de là. Alors, oulala, elles sont trop belles. Franchement, elles sont magnifiques. Tout, 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 tout. Tout d'abord, j'ai pris un ficus. Celui-ci, c'est le ficus tinec, je crois. Tineke, tinec, bref, je ne connais pas le nom. Je ne connais pas la prononciation, mais c'est un ficus. Et franchement, ça faisait super longtemps que je voulais un ficus. J'aime trop les ficus. Je trouve ça super, super beau. Et surtout, quand ils grandissent, ça fait un arbuste et tout. Trop, trop beau. Bien sûr, je ne pouvais pas faire une commande sans prendre une Calathea. Celle-ci, elle est si belle. Regardez les feuilles, j'en ai déjà 4 ou 5 des Calathea. Elle est trop belle. J'avais déjà hésité depuis la dernière fois quand j'ai fait ma commande et je ne l'avais pas prise. Je ne sais pas pourquoi. Là, je me suis dit, elle est en stock, je la prends direct. Elle est vraiment trop trop belle. Et ensuite, j'ai repris mon petit Phytonia. Je pense que le fait qu'il soit emballé, du coup, il est un peu ratatinax. Mais le temps de s'acclimater et tout, il va reprendre ses formes. Mais il est tellement beau. Oh, si, si cute. Je ne sais pas si je les rempote tout de suite. Je pense que je vais attendre un petit peu. Franchement, on n'est pas obligé de rempoter tout de suite, tout de suite.
Je vais surtout nettoyer un peu les pots, je vais les poser derrière pour qu'ils s'acclimatent, etc. Mais franchement, je suis trop contente. Il est trop beau. C'est mon préféré. Ensuite, vous avez le ficus, le simple. C'est pas le variegata. Enfin, le Tinex, c'est le ficus basique. Enfin, les connaisseurs de plantes sauront. Il est aussi trop trop cute. Enfin, franchement, je suis trop contente. Les ficus, franchement, je sais pas, je me suis trouvé une lubie pour les ficus. Je les trouvais tellement beaux. Je me suis dit, mais il faut trop que j'ai un ficus. À chaque fois, je trouvais jamais l'occasion. Ou c'était des grands. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les bébés plantes. J'aime bien les voir grandir, évoluer, de voir qu'elles deviennent des plantes mères, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà. Et le dernier, c'est aussi une Calathea. Donc celle-ci, c'est une Calathea. Celle-ci, c'est une Lancifolia. Je l'avais déjà. Et pareil, durant l'hiver, elle a crevé. Enfin, je pense pas qu'elle est morte. Elle est dans ma serre là et je vois que les racines sont plutôt belles. Donc je pense qu'elle va pas tarder à repartir. Mais j'avais vraiment envie d'en avoir une autre au cas où elles repartent pas. Parce que j'aime tellement les lancifolias, elles sont super belles. Enfin bref. Regardez-moi ça. Il y a des gens qui disent les Calatheas, c'est toutes les mêmes. No way! Franchement, c'est vraiment pas pareil. Rien à voir. Enfin, ouvrez-vous les yeux, les gars. Elles sont super belles. Franchement, j'adore. Donc voilà. Donc, ce sont mes 5 plantes. 2 ficus, 2 calathea et une phytonia. Yes! Je suis trop contente. Je vais regarder ce qu'ils disent, ce qu'ils préconisent sur l'emballage. Parce que moi, je m'emballe. Vas-y, je ne rempote pas. Mais si ça se trouve, il faut les rempoter. Moi, je tenterai pour ne pas rempoter et d'attendre un petit peu. Enfin, je vais regarder les racines quand même. Let's go racines. Regardons ça. Alors, je vais regarder comment sont les racines. Si ça va. Selon moi, ça va. Je vais juste rajouter quelques billes d'argile. Je vais le laisser dans son pot d'origine. Donc je vais vous montrer déjà mon Orbifolia. Franchement, elle était au stade vraiment morte. Et là, je suis contente parce qu'elle a repris. Enfin, elle a 3 feuilles quand même. Elle était au stade où il n'y avait rien. Voilà, toutes les feuilles étaient tombées. Et du coup, ça devient ça. Et ici, c'est mon deuxième bulbe d'Orbifolia. Donc, je suis contente. Là, je viens de remarquer qu'il y a des petites. Je sais pas si vous pouvez voir. J'ai des petites bêtes là, toutes minuscules qui courent dessus. Je ne sais pas ce que c'est et je commence à paniquer. Ici, c'était ma Lancifolia. Pareil, en fait, toutes mes Calatheas cet hiver, elles ont. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais soit elles n'ont pas supporté ou elles n'ont pas aimé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Du coup, voilà un peu sa tronche. On va regarder les racines ensemble et comme ça, j'aviserai.
Là, j'ai l'impression que les racines. Ouais, elles sont sèches et mortes. Donc, elle, c'est dead. Enfin, je sais pas en fait. Elle est sèche, sèche, sèche. Je pense que c'est mort pour celle-ci. Parce que là, les racines, elles sont vraiment sans vie. Elle, c'est mort. Ensuite, dedans, j'avais ma calathea. Et pareil, avec l'hiver, elle est morte. Quand je vous dis que toutes mes calatheas sont mortes avec l'hiver, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que je vais la replanter. Toc. J'ai retiré tout ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Mais on verra. Et je vais la replanter dedans. Celle-ci, on verra bien ce que ça donne. Si je vois vraiment qu'elle prend pas, oh, c'est pas grave, je vais l'acheter. Et je vais en racheter une autre. Ensuite, il y a celle-ci. Ça, je sais même plus c'était quoi. Franchement, je ne sais plus. Oui, il n'y a plus rien. Ciao, bye bye, on est mort. Ah, ça c'était mon Pilea. Ça, je m'en souviens, c'était mon Pilea. C'était jadis mon Pilea. Il est mort. Et le dernier, c'était mon Loya. Loya que j'ai eu l'année dernière. Non, au mois de juillet, je crois, ou juin, durant le confinement. Encore quelque chose, hein? Là, il y a moyen. En plus, les racines, elles sont claires et tout. Oh oui, oh oui. Là, il y a moyen, là. Il y a un petit truc, là. Celle-ci, c'est parti. Rempotage. Non, je vais le mettre dedans. Au final, j'ai gardé ces deux-là. C'était mon Noya. Et ça, c'était ma Calathea. Je sais plus le nom, mais c'était avec les feuilles roses. Donc j'espère que ces deux-là vont repartir. Sinon, c'est pas grave. Je vais mettre les bébés plantes dans la serre. Comme ça, elles vont avoir encore un peu de chaleur, encore un peu de. Elles vont être bien, quoi. Donc voilà. Là, je vais faire un bon arrosage et ensuite, je vous montre comment je les place dans la serre. Alors, c'est parti. Maintenant, je vais tout mettre dans la serre. Franchement, vous pouvez faire une serre avec n'importe quoi. Moi, j'ai pris un grand bac en plastique. Je l'aurais recouvert avec du cellophane et c'est parti, j'avais une serre. Donc, vous, c'est pareil. Vous avez vu toutes les plantes qu'il y a dedans. Surtout celle-ci. Elle allait mourir. Et je l'ai mise dans la serre. Et franchement, elle va beaucoup mieux. J'ai quelques petites feuilles en dessous qui sont mortes. Je vais les couper, mais j'attends un peu de commencer à fertiliser, etc. Cette Calathea aussi est en train de mourir. Et franchement, je pense que la serre a été la meilleure solution pour elle. Toutes les feuilles, mais vraiment toutes les feuilles étaient repliées sur elles-mêmes. Exactement comme celle-ci. Bon, celle-ci, c'est parce qu'elle est en train de s'ouvrir, mais elles étaient toutes repliées sur elles-mêmes et commençaient à sécher et tout. Et là, franchement, elle va plus que bien. Ça, je pense que c'est ma calathea préférée. Je l'ai vraiment eu au stade bébé. Je l'ai eu quand elle avait à peu près 2-3 feuilles. Et là, elle a poussé de fou. Donc, je suis trop contente. Et cette calathea-là, c'est la même chose. C'est celle-ci que j'ai mis en premier dans la serre et qui avait les feuilles qui repliaient. Quand j'ai vu que tout de suite, ça allait bien et qu'elle reprenait du poil de la bête, je me suis dit, ok, toutes mes calatheas vont aller en serre. C'est ce que j'ai fait et franchement, je suis trop contente. Et là, du coup, je vais mettre toutes mes bébés plantes dedans. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis qu'une seule feuille pour que ce soit bien transparent. Et du coup, ça reste bien devant la fenêtre juste en bas.
Ça reste bien devant la fenêtre, juste là-bas en fait. Du coup, le matin, ils ont direct du soleil. Il y a de l'humidité, je brumise assez souvent. Et j'ai fait plein de petits trous pour que du coup, les plantes puissent quand même assez respirer. Donc, voilà ma petite serre. On dirait une serre où il n'y a que des calathéas, les gars. Les calathéas ont colonisé ma serre, clairement. Donc, je profite de cette vidéo du coup pour vous faire un petit update sur mes plantes. Donc, ici, vous avez une bouture de ma Maranta qui a vraiment bien, bien pris, comme vous voyez. Je l'ai coupée et ça a pris tout de suite. Enfin, et elle est même en train de me faire une nouvelle feuille. Tac! Et vous avez deux autres juste ici. Et là aussi, comme vous voyez, il y a une nouvelle feuille. Et les racines, franchement, elles se portent à merveille. J'attends encore un peu pour les rempoter parce que ça fait à peine 2 semaines. Et voilà, je vais attendre encore peut-être 2, 3 semaines. Et puis après, je vais la rempoter. Comme ça va garnir le bas de ma plante. Ici, j'ai mon pothos néon. Que j'avais eu en bouture chez Brunel, qui va super bien. Je pense qu'il était en dormance et là, je sens vraiment qu'il est en train de repartir, tout comme mon pothos argenté, qui est en train de me faire une petite feuille juste ici. Pareil, il a été en dormance tout l'hiver et là, la feuille, il vient tout juste de sortir. Tout comme mon pothos Marble Queen, qui est aussi en train de me faire une feuille. Donc, je pense que là, les pothos, ça y est, ils sont bien debout là. Ensuite, derrière, j'ai ma Monstera Adansonii qui a bien poussé. Elle m'a fait des nouvelles feuilles. Elle a été longtemps dans la serre. Et là, très récemment, je l'ai retirée pour faire de la place pour les Calathea. Ici, j'ai. Je sais même pas ce que c'est. Je ne sais plus. Mais ça, c'est la plante que j'avais eue à Leroy Merlin qui m'a fait des nouvelles feuilles. Donc, je suis trop contente. Ici, vous avez mon avocatier qui franchement pousse à la vitesse de l'éclair. Enfin, là, vous avez ma Dracaena, bref, je ne sais pas. Je ne sais même pas, si, je suis même pas sûre que c'est ça le nom de cette plante. Mais elle, à chaque fois, au mois de février et mars, elle me fait des trucs comme ça. Et en avril, elle repart de plus belle. Enfin, pourtant, là, il n'y a pas du tout eu d'excès d'arrosage ou quoi. Donc, je sais pas si c'est le cycle de la plante ou c'est moi qui fais un truc pas bien. Mais le truc, c'est qu'elle me sort des nouvelles feuilles tout le temps. Mais à contrario, il y en a tout le temps qui meurent. Vous voyez là, j'ai encore une nouvelle feuille. Donc, bon, je pense que ça doit être son cycle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai une petite bouture de watermelon qui se porte bien. Ici, la deuxième feuille, elle est morte. Donc voilà, mais sinon, elle va bien. En bas, j'ai ma watermelon qui a perdu beaucoup de feuilles, mais il y en a beaucoup qui ont repoussé. Et pareil, celle-ci, elle était dans la serre. Ma Monstera, bon, bah, qui va super bien, comme vous le voyez. Elle était en dormance, mais là, elle me fait des nouvelles feuilles à la racine. Et elle a des racines aériennes qui poussent, mais à une vitesse de folie. Ça, c'est l'hibiscus de ma sœur et qui est en train de reprendre. J'ai vu qu'elle m'a fait des petites fleurs et tout, là, des petites feuilles, pardon. Et je pense que ça va pas tarder, j'attends juste la période de floraison qui va être avril. Donc voilà, juste ici l'hibiscus. Et pour finir, vous avez mon Orbifolia qui est juste ici, qui est trop belle. Elle est vraiment magnifique. J'ai eu un petit oubli d'arrosage. Du coup, la nouvelle feuille, quand elle s'est ouverte, ben, elle a séché sur le côté. Donc j'ai un peu dégoûtée. Mais bon, j'étais là chez moi et lorsque je suis rentrée, j'ai vu ça. Bon, j'étais un peu dégoûtée. Ce qui est bien avec l'Orbifolia, c'est que quand elle a soif, toutes ses feuilles, elles retombent. Donc, du coup, tu te dis, ok, c'est le moment. Donc, ça, c'est une plante qui est plutôt facile à entretenir. Et voilà, les gars. Bah, je pense que cette petite vidéo plante est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me dire si vous voyez que je fais des erreurs avec mes plantes. Si je dis des conneries, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou à m'envoyer un petit MP Instagram. C'est avec plaisir, franchement, que je prendrai tous vos commentaires. Donc voilà, moi je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!